là c'est cimetière et dans Montmartre, cimetière et dans Montmartre. Donc ouais, c'est cimetière, c'est Gogo Toto bout de caillou fait, c'est au même au fait au cimetière et dans Montmartre là. En tout cas, moi quoi nous bien visiter Paris là, Paris pas mal que restaurant. Est-ce que le restaurant c'est pas une activité qui est plus rentable à Paris? Et on a l'impression que tout le monde à Paris c'est dans le restaurant seulement qu'on mange. C'est vrai, vous demandez est-ce que le monde à Paris j'aime faire manger la caille? Paris trop restaurant, je sais pas, à chaque côté virer son restaurant, son brasserie, son restaurant, son brasserie, mon cher. Mon cher, comment ça pour le monde vivre? Attendez, non, comment ça pour le monde vivre? Je ne vais pas faire manger la caille, je vais trouver dans le restaurant, je vais pas chita pour le monde servir. Et touriste fait quinquin, un touriste fait 3 pour 50 gouttes. Alors là, nous sommes sur Champs-Élysées. Champs-Élysées en France, que les Français ont dit que c'est la plus belle avenue du monde. Et c'est comme ça, Aurélie, donc la plus belle avenue du monde. Là, c'est dans le grand magasin. C'est dans le grand tonton et magasin. Saint-Laurent, Boss, Montclair. Eh bien oui, pour juste arriver sous Arc de Triomphe, eh bien oui, c'est beau, hein. Français Audi, c'est la plus belle avenue du monde. Alors, je me demande si nous, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle n'est pas belle. Alors, derrière, vous, quand nous, c'est Louis Vuitton. Nous allons visiter Louis Vuitton après, c'est Louis Vuitton, vous, quand nous, en tout cas, Français Audi, c'est la plus belle avenue du monde. Je me demande, on va faire des. Alors, ça, c'est Samsung, ah ouais. Ah, et maison, et Samsung, et. Non, bon. Français dit c'est la plus belle avenue du monde. Moi dis nous déjà, on va faire des bas, ça c'est dur. On va faire des bas. Non, bah on est qui est-ce qui est la avenue du monde? Tout le monde dit pas la vie belle. Moi m'bagué, si m'bagué, m'tape dit pas la vie belle d'eau. Problème non m'bagué. C'est mon qui gagne fait bruit. Le bagué est molou molou condamné. Non, le bagué au sage. Le bagué au sage ou molou. En tout cas, Français, là, c'est dur. Donc, Français aussi, c'est la plus belle avenue et du monde. Et c'est beau. Hein. C'est beau, c'est très beau. Oui. Mais, moi, par contre, on est pas. Cinéma. Restaurant, et c'est beau. Hein. Et c'est acte de femme. Et oui, oui, gros bout de bloc, oui, c'est acte de triomphe. Là. Oui, gros bout de bloc, oui, c'est acte de triomphe. Nous avons des bons. Ça, c'est un peu de triomphe. Et nous, là, nous avons full touriste à terre. Oui, on full touriste. Touriste fait quinquin sous Champs-Élysées. Son bail pour s'allier. Touriste a fait quinquin bon ici. Oui, touriste fait 3 pour 50 gouttes. Oui, touriste, c'est 3 pour 50 gouttes. Et restaurant, c'est beau. Hein. C'est un restaurant. Un restaurant est à côté de l'avenue. C'est beau. Hein. Le restaurant, c'est Moret et Chadon. Moi et Chandon, et c'est bien. Hop, jeune plusieurs mon balève la coffre, la cap diable, qu'on vient manger là déjà, oui, me connais. Hop, jeune plusieurs mon fait commenter ça, regardez-vous. Plusieurs mon cap diable, qu'on vient manger là déjà, oui, mais oui, me connais, qu'on vient manger là déjà, pas de problème. Partagez live là. Oui, au fin. Partagez au fin. Oui, oui. Partagez au fin. Mais faut vivre pour chaud, oui. Vous voyez qui c'est quoi, c'est là. Oh, oui, va mon cap voler dans pour chaud. Va mon cap couper pour chaud. Faut vivre pour chaud. Son conseil ça c'est veille pour chou il vagabond ca bouquet couper pour chou vagabond dans ça il faut ou dans voler ou qu'on allié déjà dans voler ou dans voler vagabond il faut vagabond va qu'on a faut tout on a réglé causer tout mon honnête tout est à régler causer va vagabond lui même lui va qu'on a faut vagabond lui même vu lui baiser vivre mon baiser la plus belle avenue du monde là lui même lui baiser la plus belle poche du monde là oui la blevez vous de vous coucher là au pancho. D'ailleurs, vous marquez le même sous mur, vous dites non, vous avez pickpocket là, ils disent qu'ils ont volé dans la poche, qu'ils ont bordé douet. L'autre chose, c'est les pickpocket là, ils disent qu'ils ont bordé douet. On va y aller, ils ont bordé douet. On vient de dire, non, c'est autant de samedi là, pickpocket, donc ils ont bordé douet. Pickpocket, ils ont bordé douet. Donc là, c'est une très belle avenue. Quand on dit les Champs-Élysées, donc c'est la plus belle avenue du monde. De toute façon, ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin de la vérité. Ce n'est pas forcément la vérité, mais ce n'est pas très loin de la vérité. Français, vous dites, papa, c'est la plus belle avenue du monde long et là. Donc, c'est ça, les hasards. On a quitté le conseil.
Mais moi même non, dit le marché, oui, jazz va pour, on dit mon qui était bien dans dossier, va y va kadi. Si a compte avenir, va prendre la caille, va prendre Jean-Paul Dieu, va prendre monsieur Guillaume, donc mettre poser. C'est monsieur Guillaume qui est bon la caille, pas mon à côté. Donc message, on mon ça mieux. Si on t'a pris monsieur Guillaume, on t'a pété OK mon chef, d'abord monsieur Guillaume puis bon. Alors en face là donc c'est Bulgarie. C'est comme ça. Donc là ils sont cortège qui va venir. Est-ce que c'est président? Et ça c'est un cortège. Donc ah ouais, donc son cortège qui va passer. Ouais, son cortège. Nous on va battre mon, on va pousser mon. Mieux juste faire ça ou rien pour faire date c'est. Ça et c'est Louis Vuitton, qui lui-même gagne un plus gros espace qui gagne Paris. Louis Vuitton depuis deux ans extravagant. Donc c'est LVMH, Louis Vuitton, Maison Hermès, LVMH, qui lui-même fait partie de même groupe là, Moët et Tennessee. Louis Vuitton qui lui-même gagne techniquement plus bel espace qui gagne, c'est l'extravagance. Quand tu dis Louis Vuitton, c'est de l'extravagance assurée. C'est l'extravagance assurée. Quand y a là, bal de voir, c'est comme vous Deborah. Oui, vous Deborah, ça, oui. Mon demoiselle, moi, je suis lié, non, oui. Bon, regardez, bon, mari, maintenant, quand je suis lié, non, tu ménages, je suis lié. Oui, lié, ça m'a donné. Vous va faire mal, vous son jour. De vous faire mal, vous son jour, vous son jour, hein. De vous faire mal, vous son jour, vous son jour. Quand y a même mal, Louis Vuitton, vous allez acheter, vous allez songer, non, vous ménagez. Vous allez dire, hein. Regardez tout petit là hein Timon. Regardez mes amis. Quand y a mal dans rue de la montée, mal acheté. Alors vous on dit va connaître sur l'avenue des Champs-Élysées. Oui, c'est l'avenue des Champs-Élysées, les Champs-Élysées. Oui, ça est Louis Vuitton, Timon, Louis Vuitton. C'est problème dans ça hein. Problème dans ça. L'avenue des Champs-Élysées pour y a mal dans Louis Vuitton, on va pas songer non. Ouais, problème mal dans Louis Vuitton. Et on va pas songer non comme ménage. Elle doit pas ménage non. Il y a l'homme fini, il y a l'homme manger le fouquette. Quand passe là, il me semble, là, Nicolas Sarkozy, oui. On donnerait dans tous les pays du monde. Oui. On donnerait. Donc, alors, c'est Louis Vuitton, donc Maison Hermès. Mais à part, tout aux amants, mais vous venez faire beau manger. Moi-même, le fouquette, son restaurant, moi, mais un pile, qu'il s'appuie, ça me mène. Le petit monde, et puis. Sarkozy, alors je dis Simone, pas Simone, je suis un adolescent qui est dans la faculté, et puis Sarkozy a groumé avec Ségolène Royal pour élection, et puis après élection, Sarkozy a fêté le Fouquet avec toute l'équipe campagne. Depuis le, je me dis, moi-même, n'importe le, et comme je même c'est le Fouquet, je vais manger les mains en France, et puis je suis tout habitué là, de manger le Fouquet, les mains en France, mais le Fouquet, ça, faut me dire, et il y a vraiment et belle si manger, il y a vraiment et belle si manger dans le Fouquet là. Et c'est belle si manger, mon cabage. Manger président. Oui, le Sarkozy vient manger le Fouquet. Fait la note, il a pu manger le Fouquet. Tout, et quoi ça me fait, lui. Ou bien simplement. Et puis, me promets peut-être ça. Et puis, chaque année, depuis que je viens en France, vraiment, je viens manger le Fouquet. C'est le premier jour, je viens manger le Fouquet. Là, je me fais fort ça. Il n'y a pas comme des gains, non. Je vais acheter caviar pour manger. Oui, il y a crasé tout le business. Moi, net. Oui, oui. Et puis, c'est comme ça. Et moi, tout vient apprécier. Le Fouquet, donc le Mabari, généralement je mange au Fouquet. Alors, souvenez dans Fouquet là, si vous ne savez pas qui est mes fruits de mer, même j'en avais, eh bien, vous êtes capable de commencer dans un petit mushroom sur là, vous commencez à distraire. Alors, même si mushroom là, c'est fruits de mer, vous me dites, ah oui, mais mushroom là, c'est mettez dans notre catégorie, moi, bah, moi, dans la ville, eh bien, si vous êtes bien nourri, vous avez besoin de vraiment un steak qui pille. Et Bakadi est vraiment et fond dans bouche là et à Paris et on va joindre le Fouquet ouais ti junior lui même tête lissant laisse elle malgré parce que l'op manger dans le Fouquet là si c'est dans dehors c'est Louis Vuitton qui derrière donc ça c'est beau c'est le Champs-Élysées l'avenue des Champs-Élysées les Champs-Élysées c'est extrêmement beau et ensuite et c'est Louis Vuitton qui est dans dos exactement.
Alors, le Fouquet restaurant, c'est un plus beau restaurant qui gagne donc à Paris. Et le Fouquet là, c'est un plus beau restaurant donc qui gagne à Paris. Français audio et Champs-Élysées, donc c'est plus belle avenue qui gagne sous la terre. Mais nous connaissons tout côté qui à Combrima. Oh, il va y mon abdomen à tout. Oui, il est allé même là. Je ne le fais que démarrer. Ou bien il a son film né, ou bien moi, je vais faire photo le marronné. Non, il va sembler un film, non? Oh, il semble un film, oui. Non, il a son film né. Ou bien son touriste qui fait photo, ou bien son cinéaste, pas moi, il a une belle appareil. En tout cas, tout côté, il est pauvre, c'est ça, oui, tu on doit se manger la zame là au côté là dépenser 800 euros et puis on l'autre les mêmes et il va gagner 5 euros pour le prendre un McDonald's. La vie est comme ça lié. Oh de bonjour. La vie elle est injuste d'une certaine manière. En pile fois il me dit ça mais la vie elle est vraiment injuste d'une certaine manière. L'on vire regarder la vie à tout le monde bon. Au cas dit tout c'est ce qui fait la beauté de la vie mais la vie certaines fois elle peut être injuste. Oui oui. Et, par exemple Los Angeles qui lui même gain Beverly Hills qui est ouvert mais tout Beverly Hills là gain Hollywood Boulevard là quand on paquet moun a manger dans Fadra son paquet moun on dividal moun k'ap manger dans Fadra tout près Hollywood Boulevard là donc ça veut dire ce que cela veut dire ça veut dire que la vie elle peut être injuste quand je dis injuste c'est foncièrement injuste et la vie elle peut être foncièrement injuste c'est comme ça. Mais malheureusement, ça ne va pas changer. Ça, c'est pas sur le point de changer en tout cas. C'est pas sur le point de changer maintenant. Bah, yo en pile la main. Bah, yo en pile la main. Voilà. C'est comme ça le monde. Le monde est gonjan mode là et gonjan mode là fonctionner. Le monde est gonjan lié, le gonjan fonctionner. Donc, regardez, le monde gonjan le monde est gonjan le monde fonctionner. Et c'est ça que fait le monde. Ça fait le monde. Donc ça attire attention mon pile Iran Air. C'est-à-dire ligne aérienne pays Iran qui dans côté occidental mais faut me dire non Iran son pays qui vraiment était toujours présent en France. Par contre si nous connaît l'Ayatollah Khomeini lui-même qui fait révolution en Iran et ben oui l'Ayatollah Khomeini lui-même était en exil en France. Donc c'est en France qui sorti pour aller prendre pouvoir en Iran. C'est-à-dire qu'il y a une forte communauté iranienne qui a vécu jeune jeudi à Paris. Oui, une forte communauté iranienne qui a vécu jeune jeudi à qui a vécu jeune jeudi à Paris. C'est-à-dire même sous temps des pays, il y a des problèmes politiques, mais il y a des constantes plus ou moins dans quelques bagailles. C'est-à-dire que les gens qui ont fait révolution en Iran, c'est Ayatollah Khomeini. Et bien Ayatollah Khomeini, et bien Khomeini, il est même sorti en France. Oui, son exil était en France. Dans l'époque, il Tchad Iran, il a dirigé. Et avant la révolution islamique là, donc avant l'année 79. Et là c'est dans le bloc Avenue Monteil, qui lui-même est au rond-point des Champs-Élysées, donc Avenue Monteil lui-même, qui gagne un paquet de magasins de luxe là-dedans. Et tout, lui-même là, on regarde donc Gucci, mais c'est vraiment en pile les magasins de luxe qu'il gagne. C'est probablement. Il y en a oui qui est bien important sous la terre dans parole les produits de luxe et produits de luxe urbain donc oui ça autant de créer l'avenue de la montée avenue montée là avenue montée donc l'autre vous dans zone rond-point des Champs-Élysées et bien oui avenue montée donc l'autre vous dans zone rond-point des Champs-Élysées en tout cas c'est son rue et qui vient en pile l'argent la donne. Alors là, c'est cimetière dans Montmartre. Donc, ouais, c'est cimetière, c'est Google Toton Bout de Kaï nous fait. C'est eux-mêmes qui fait au cimetière dans Montmartre. Là. En tout cas, moi, quoi, nous avons bien visité Paris. Là. Paris, pas moins que restaurant. Maintenant, est-ce que le restaurant, c'est pas une activité qui est plus rentable à Paris? Et j'ai l'impression que tout le monde à Paris, c'est dans le restaurant seulement qu'on mange. C'est vrai, vous demandez est-ce que mon Paris j'aime faire manger la caillou. Pas les trois restaurants, je sais pas, à chaque côté, virer son restaurant, son brasserie, monsieur. Comment ça pour mon vivre, attendez? Non, comment ça mon vivre? Je ne vais pas faire manger la caillou, je vais trouver le restaurant, papa Chita pour mon servir. Et touriste fait quelqu'un, touriste fait 3 pour 50 gouttes. Alors là, nous sommes sur Champs-Élysées.
Champs-Élysées en France, que les Français disent que c'est la plus belle avenue du monde. Et c'est comme ça, Aurélie, donc la plus belle avenue du monde. Là, c'est dans le bord et grand magasin. Et c'est dans le bord et grand tonton et magasin. Yo. Saint-Laurent, Bosse, Montclair. Eh bien oui, pour juste arriver sous Arc de Triomphe, eh bien oui, c'est beau, hein. Français ont dit c'est la plus belle avenue du monde. Je me dis si nous, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est pas belle, alors derrière, vous avez une c'est Louis Vuitton. Nous allons visiter Louis Vuitton après, c'est Louis Vuitton, vous avez une ouée. En tout cas, Français ont dit c'est la plus belle avenue du monde. On va faire des mains. Alors ça est Samsung, ah ouais. Ah, et maison et Samsung et... Non, bon. Français dit c'est la plus belle avenue du monde. Moi dis nous déjà, on va faire des bains, ça c'est Dior. On va faire des bains. Non, bah, on est qui est-ce que la avenue du monde. Tout le monde dit pas la vie belle. Moi, je ne si je suis pas dit pas la vie belle. Le problème, je ne sais c'est mon qui gagne qui fait bruit. Le bagage est molou molou condamné. Non, le bagage est sage. Le bagage est sage ou molou condamné. En tout cas, Français, là, c'est Dior. Donc, Français aussi, c'est la plus belle avenue du monde. Et c'est beau. Hein. C'est beau, c'est très beau. Oui. Mais, moi, je ne sais pas. Cinéma. Restaurant et c'est beau eh? Et ça acte de femme et oui oui gros bout de bloc ouais c'est acte de triomphe là gros bout de bloc ouais des femmes oui c'est acte de triomphe donc c'est bon là, ça c'est acte de triomphe là que nous là nous avons full touristes à terre oui on full touristes touristes fait quinquin sous Champs-Élysées là son bail pour s'allier touristes ça fait quinquin beau ici oui, touristes fait 3 pour 50 000. Oui, Torisio, c'est 3 pour 50 goûts de restaurant, c'est beau, hein? C'est un restaurant. Un restaurant est à côté de l'avenue, c'est beau, hein. Le restaurant, c'est Moret et Chandon. Moret et Chandon, et c'est bien. Hop, jeune plusieurs mouns, on va aller à la coffre, c'est la cap diable, on vient de manger là déjà, oui, je me connais. Hop, jeune plusieurs mouns, on fait commenter ça, regardez-vous. Plusieurs mouns, on vient de manger là déjà, oui, mais oui, je me connais, on vient de manger là déjà, pas de problème. Partagez la vie, oui, au fin. Partagez au fin. Oui, oui. Partager au fil. Mais faut vivre pour chou tout. Vous voyez qui dit quoi c'est là. Oh oui, vagabond qui a volé dans le pochou. Vagabond qui a coupé pochou. Faut vivre pour chou. Son conseil, ça c'est. Vivre pour chou, vagabond qui a bouqué, coupé pochou. Vagabond, il y a ça au bifo. Oui, il y a volé. Ou qu'on a lié, il y a volé. Ou il y a volé, vagabond bifo. Vagabond qui a fait. Tout le monde a pris le cause. Tout le monde est net, tout le monde a pris le cause. Vagabond, lui-même, lui a qu'on a fort, vagabond, lui-même, lui baiser vivre. Mais on baise la plus belle avenue du monde, là, lui-même, lui baiser la plus belle poche du monde, là. Oui, l'appelez-vous. De vous coucher là, au pancho. D'ailleurs, vous marquez le même soumis, vous dites non, vous avez pickpocket là, il dit, vous avez volé dans la poche, vous avez bordé douette. L'autre, vous avez les pickpocket là, il dit, vous avez bordé douette. On va y aller, vous avez bordé douette. On vient de dire, vous avez autant de samedi, là, pickpocket, donc vous avez bordé douette. Pocket mon gars boy douette. Donc là c'est une très belle avenue quand on dit les Champs-Élysées donc c'est la plus belle avenue du monde. De toute façon ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin de la vérité. Ce n'est pas forcément la vérité mais c'est pas très loin de la vérité. Français ou du papa c'est la plus belle avenue du monde long et là. Donc c'est ça lié à Zam. On a quitté le conseil. Mais moi même non dit le marché oui jazz va pour le marché on dit mon qui était bien dans dossier va il va dit si y a compte avenir pas prendre la caille pas prendre Jean-Paul Dieu pas prendre monsieur Guillaume donc mettre poser c'est monsieur Guillaume qui bon la caille pas mon côté donc message au monde comme ça mieux. Si tu as pris mon Ségiou, tu as pété mon Ségiou, puis bon. Alors en face là, donc c'est Bulgarie. C'est comme ça. Donc là, ils sont cortèges qui viennent là. Est-ce que c'est président? Ça, c'est un cortège. Donc, ah ouais, donc son cortège, il est passé là. Ils sont cortèges.
Nous avons battu les gens, nous avons juste fait ça, nous avons fait ça, that's it. Ça, c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton qui lui-même a un plus beau espace qui est Paris. Louis Vuitton, depuis deux ans, il est extravagant. Donc c'est LVMH, Louis Vuitton. Louis Vuitton, Maison Hermès. Et LVMH. Qui lui-même fait partie du même groupe là. Et Moët Tennessee. Louis Vuitton qui lui-même est techniquement plus bel espace qui gagne, c'est l'extravagance. Quand tu dis Louis Vuitton, c'est de l'extravagance assurée. C'est l'extravagance assurée. Quand y a là et bal de c'est comme vous Deborah. Oui, vous Deborah, ça oui oui. Mon demoiselle moi encore, m'lié non, bon garder, bon mari maintenant encore de problème qu'a blié non, ti ménage m'lié. Oui, ça va me de là. On va faire bail pour son jour. De vous faire bail pour son jour, t'as son jour, hein. De vous faire bail pour son jour, t'as son jour. Quand il y a même mal dans le vite, on va l'acheter, il va pas songer non pour ménager. Arrête de battre ici là, hein. Arrête de battre ici là, hein, Timon. Regardez, mes amis. Quand il y a mal dans le rue de la montée, il va l'acheter. Alors, vous, on va connaître, c'est sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est l'avenue des Champs-Élysées, les Champs-Élysées. Oui, oui, ça y est, Louis Vuitton, il dit, Louis Vuitton, Louis Vuitton. C'est un problème dans ça, hein. Problème dans ça. Il a vu des Champs-Élysées pour nous mal dans Louis Vuitton, je ne vais pas songer non. Oui, problème, c'est mal dans Louis Vuitton. Et je ne vais pas songer non comme ménage. Il ne doit pas ménage, non. Il y a le fini, il a manger le Fouquet. Parce que là, il me semble, là, Nicolas Sarkozy, oui. On donnerait ton donner dans tous les pays du monde. On donnerait ton donner. C'est Louis Vuitton, donc Maison Hermès. Louis Vuitton, Maison Hermès. Mais à Paris, tout aux amants, mais vous venez faire beau petit manger. Moi-même, le Fouquet, son restaurant, je me remets en pile. Ça me remène. Le petit monde, et puis Sarkozy. Alors, petit monde, pas petit monde. Je suis un adolescent qui est dans la faculté, et puis Sarkozy a goûté avec Ségolène Royal pour élection. Et puis après élection, Sarkozy a fêté le Fouquet avec toute l'équipe campagne. Depuis le me dit non moi-même n'importe le et comme pas même c'est le Fouquet qui va manger les en France et puis tout qu'un bien habitude là vite manger le Fouquet c'est les en France mais le Fouquet ça faut me dire et gagne vraiment et belle si manger oui gagne vraiment et belle si manger dans le Fouquet là et c'est belle si manger mon ca manger manger président oui oui ça cause vite manger le Fouquet fait la doter dit la vite manger le Fouquet tout et ça me fait lui ou bien simplement et puis me promettre tête ça et puis chaque année depuis que je viens en France vraiment venir manger le fraise c'est le premier jour venir manger le fraise là me font fort ça les pas comme des gars non mal acheter caviar pour manger oui les a me craser tout business moi net quand il vient oui oui et puis c'est comme ça et moi tout venir apprécier le Fouquet donc le ma Paris généralement je mange au Fouquet alors et souvi dans Fouquet là si on sait pas qui remet fût de mer même j'en avais et bien on capable commencer dans non ti mushroom sur là on commence à distraire alors même si mushroom là c'est fruit de mer tout ils vont me dire ah oui mais mushroom là c'est mettre dans l'autre catégorie mais moi même en ville et bien si avec viennoyer on va joindre vraiment et steak qui pi et va ca dire et vraiment et fond dans bouche là et à Paris et on va joindre le Fouquet ouais ti junior lui même peut-être lui sans laisser le malgré parce que l'op manger dans le Fouquet là si c'est dans dehors c'est Louis Vuitton qui derrière. Donc ça c'est beau, c'est le Champs-Élysées, l'avenue des Champs-Élysées, les Champs-Élysées, les Champs-Élysées, c'est extrêmement beau. Et ensuite, c'est Louis Vuitton qui est dans le dos exactement. Alors le Fouquet Restaurant, c'est un plus beau restaurant qui gagne donc à Paris. Et le Fouquet là, c'est un plus beau restaurant donc, qui gagne à Paris. Français Ozo et Champs-Élysées, donc c'est plus belle avenue qui gagne sous la terre. Mais nous connaissons tout côté qui gagne à Combrément. Oh, il va arriver mon abdomen à tout. Oui, il est allé même là. Je venais le faire démarrer. Ou bien il a son film, ou bien moi, je vais vous faire photo le marronnet. Non, il va sembler un film, non? Oh, il semble un film, oui. Non, il a son film. Ou bien son touriste qui a fait photo, ou bien son cinéaste, par exemple, il y a un bel appareil. En tout cas. Tout côté, il y a un pauvre, c'est ça, oui, Timon. On doit sauter manger la zamam là on côté là dépenser 800 euros et puis gon l'autre les mêmes et il va te gagner 5 euros pour le prendre au McDonald's la vie est comme ça lieu
La vie, elle est injuste d'une certaine manière. En pile fois, il me dit ça, mais la vie, elle est vraiment injuste d'une certaine manière. L'homme vire, regarder la vie à tout le monde. Bon, au cas dit tout, c'est ce qui fait la beauté de la vie, mais la vie, certaines fois, elle peut être injuste. Oui, oui. Et, par exemple, Los Angeles, qui lui-même a Beverly Hills qui est ouvert, mais tout pour Beverly Hills, il y a Hollywood Boulevard, là, quand on paquet de monde a mangé dans Fadra. Son paquet de monde, on divise dans le monde qui a mangé dans Fadra. Tout pour Hollywood Boulevard, là. Donc ça veut dire ce que cela veut dire. Ça veut dire que la vie, elle peut être injuste. Quand je dis injuste, c'est foncièrement injuste. Oui, la vie, elle peut être foncièrement injuste. C'est comme ça. Mais malheureusement, ça ne va pas changer. Ça, c'est pas sur le point de changer en tout cas. C'est pas sur le point de changer maintenant. Bah yo, yo en pile la main. Oui, bah yo en pile la main, voilà. C'est comme ça le monde est. Le monde est. Le monde gonge en mode là et gonge en mode là fonctionner. Hein, le monde les gonge en lié, le gonge en fonctionner. Donc regardez, le monde gonge en le monde est, gonge en le monde fonctionner. Et c'est ça qui fait le monde. Ça qui fait le monde. Donc ça attire l'attention mon pile, Iran Air. C'est-à-dire, ligne aérienne pays Iran qui est dans le côté occidental, mais il faut me dire non, Iran. Son pays qui vraiment était toujours présent en France. Par contre, si nous connaissons l'Ayatollah Khomeini lui-même qui fait révolution en Iran, et bien oui, l'Ayatollah Khomeini lui-même en exil en France. Donc c'est en France qui sorti pour le pouvoir en Iran. C'est-à-dire qu'il y a une forte communauté iranienne qui a vécu journée aujourd'hui à Paris. Oui, une forte communauté iranienne qui a vécu journée aujourd'hui à Paris. C'est-à-dire même sous des pays qui ont des problèmes politiques, mais il y a des constantes plus ou moins dans quelques bagailles. C'est-à-dire que les gens qui font révolution en Iran, c'est Ayatollah Khomeini. Et bien Ayatollah Khomeini, et bien Khomeini, il est même sorti en France. Oui, son exil était en France. Dans l'époque, il y a Tchad Iran, il a dirigé. Et avant la révolution islamique, là, donc avant l'année 79. Et là, c'est dans le bloc Avenue Monteil. Qui lui-même est au rond-point des Champs-Élysées, donc Avenue Monteil lui-même, qui a un paquet de magasins de luxe là-dedans, et tout, lui-même, là, on regarde donc Gucci, mais c'est vraiment en pile les magasins de luxe qu'il gagne. C'est probablement une rue qui est plus importante sous la terre, dans la parole, les produits de luxe, les produits de luxe qu'il vend. Donc oui, ça a autant décrit l'avenue Monteil, donc l'autre trouve dans la zone et rond-point des Champs-Élysées. Et eh bien oui, Avenue Monteil, donc l'autre trouve dans la zone et rond-point des Champs-Élysées. En tout cas, c'est son rue qui vient en pile. L'argent la donne.